Salut à tous. Donc, on s'était arrêté juste avant le jean Vénus, comme le rasoir. Voilà, c'est plutôt moi qui suis le rasoir. Et on va le récupérer. Donc, je vous ai dit, hein, le but c'est de pousser tous les troncs d'arbres sur les trucs pour que toute la pression aille sur le truc que je dis truc je ce que je veux dire par truc c'est les trucs qui souffrent, voilà. Du coup toute la pression va sur la soufflerie qui est en bas et voilà, clac et bof. Ouais, je remets ça ici. Je vais mettre 4 petits. Merde. Voilà, pour avoir tort. Putain, j'y crois pas, vous avez vu ça? Je me fais attaquer juste avant, quoi. Je croyais que c'était le combat du jean. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas eu la petite animation avant. Là, il me saute dessus. D'ailleurs, il a les yeux verts quand il est énervé. Voilà, on s'en fout, c'est pas grave. Et on va lui massacrer la gueule. Hein. Il a eu tort de ne pas nous rejoindre. Hein. Bon, c'est un jeu de mots minable. Okay. Donc, Thor qui est le dieu de la foudre, je crois. Ou de la guerre, ou je sais pas en fait. J'en sais rien. En tout cas, il utilise la foudre. Je suppose que c'est le dieu de la guerre. Enfin, dans la mythologie, non. Scandinave. Ça comme vous voulez. Et on a bien Petra. Non, Fleur. Je racontais que de la merde. Petra, c'est plus tard. Donc Fleur. Et voilà. Et en fait, ça remplace Ragnarok par Odyssée. En plus des bonus de stats habituels. Et sinon, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il rend des PV à tout le monde. Du coup, je peux donner Givre à Jean-Paul. Et vous voyez, je vous ai dit qu'il y a 9 jeans par personne. Et pourtant, là, il y en a que 7 et c'est rempli. En fait, vous verrez qu'il y en a bien 9, hein, je n'ai pas dit de conneries. Là, si on fait Cyclone, il y a une herbe folle qui nous attaque, une espèce de grosse fleur qui ressemble au Pokémon, là, je vous l'ai dit. Vous en avez déjà vu, moi, ça sert à rien, donc je vais pas le faire. Et je vais plutôt... attendez, je peux me casser, oui. Ça sert à rien de faire tout le tour. Autant faire comme ça. Voilà. Et là, je vais reprendre. Voilà. Donc je vais... J'avais pas encore fait ça l'autre fois. Donc oui, j'ai décidé de faire le marais de Taopo en entier. C'est pas ultra dur, mais bon, faut juste réfléchir un tout petit peu. Je sais que c'est pas mon fort, mais j'y arrive. Ça m'arrive. Donc voilà. Bon, on stabilise toujours des combats avec des ennemis pas très puissants. Tels que des morts vivants. Des barbares trolls. T'as l'argumentation de taré. Et là en fait le truc, je vais vous dire comment on passe. Je vais vous dire, y a pas d'eau, comment on fait pour voler le truc. En fait c'est tout con. Failli y penser quand même. Je vous jure que tout le monde ne devine pas du premier coup. Moi en premier. Donc en fait faut se grouiller. Vous allez voir, dès que le truc tombe, inondation. Et juste après la prime, vite vite. Donc là faut brûler la touche comme un porc. Là, surtout pas se casser la gueule, ça serait con. Et on saute, et voilà. Et on passe. Et voilà comment on fait. C'était pas si compliqué que ça, finalement. Ça, c'est juste pour remonter, ça sert à rien. Et on se retrouve dans un espèce de truc plein de flammes. Voilà. Et ici, je vous avoue,
Bon, de toute façon, c'est un endroit optionnel, donc c'est pas trop grave. Je vous avoue que la première fois que j'ai regardé la solution sur internet, hein, c'était la première fois que je jouais en fait. À Golden Sun. C'est comme ça que j'ai commencé à aller sur internet pour chercher la solution, bah, c'est dans cet endroit, car bah, j'étais bloqué ici. Alors je sais plus comment j'ai fait pour me bloquer, mais le fait est que j'étais bloqué. Bon, ça sert à rien, en fait, faut descendre directement. Vous allez voir, c'est pas ultra long, hein, comme je vous l'ai dit. On va quand même faire une esquive. Parce que bon, les ennemis, franchement, ils servent à que dalle. Ils sont pas assez puissants, de toute façon. Ne vous inquiétez pas, on va continuer le jeu après. Hein. Bon, là, je fais juste une petite pause en passant par le marais de Taupo. Parce que bon, le but du Voxo, c'est quand même de montrer un maximum de trucs, quoi, du jeu. Ce sera fun. Donc là, non, c'est pas par là. Passer de l'autre côté. Vous allez voir là, vous brouillez, voilà. Putain, j'ai le bon timing là, un truc de dingue. Non, ça c'est Prima. Innovation, voilà. Attendez, je vais faire un truc. Je vais mettre inondation à L. Et déplacer. De toute façon, déplacer, je le mets tout le temps déplacé à R. C'est la synergie dans le jeu qu'on utilise le plus. Enfin, je crois. Je vais retourner directement. Une fois qu'on a compris qu'on peut enlever le feu en faisant inondation, bon, c'est juste une question de logique. C'est bon. Ça veut pas dire que vous êtes con, c'est que vous n'y avez pas pensé. Mais, vous n'avez pas un esprit logique. Quoi. C'est comme pour tout à l'heure faire inondation. Quoi. Et c'est bien trouvé, quoi. C'est ça que j'adore avec Golden Sun, c'est la grosse particularité de Golden Sun, c'est quand même le fait de pouvoir utiliser les magies, pas seulement en combat, mais aussi en jeu, quoi. Mais merde. Attends, bon, voilà. Et ça, franchement, c'est absolument génial. C'est une excellente idée, quoi. Puis dans ce deux, dans ce Golden Sun 2, c'est encore plus c'est encore plus poussé, quoi. Parce qu'il y a des types d'énigmes qu'on n'avait pas dans le 1. Voilà. Et là, en fait, on bloque le truc de façon à cramer l'eau. Donc ça fait un beau bordel. Ouh, la corde. Et on peut passer en haut. Alors j'espère que j'ai pas fait une connerie. Non, on pouvait pas passer à droite à la base. Mais... Parce que j'ai peur d'avoir fait un truc irréversible, mais je crois pas. Ça sert à rien, je crois. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah si, juste à cause de ça. C'est juste pour passer de l'autre côté, en fait. Voilà. Alors je sais pas si ça sert à quelque chose, mais... Et on va aller. Ah non, on peut pas aller en haut. On va donc, ouais, faut passer par là en fait. Et par là. Avant, il y a de l'eau, on pouvait pas passer. Voilà. Et c'est la fin du donjon là. Je crois. Ah non, pas encore. Vous voyez, mais je pense que je vais le terminer à cette vidéo. C'est même certain. Merde, j'ai fait une connerie. Ouais, c'est pas grave ça. Je le fais quand même. Voilà. Voilà, bah, j'aime bien le marais de Taupo. Hein. Enfin, un marais entre guillemets, parce que il y a plus du feu que de la boue en fait. Hein. Et voilà, c'est ici la fin. Donc là, on utilise inondation. Et hop. Comme il n'y a plus de lumière, bah, on voit le truc qui brille. Donc là, on voit qu'il y a un truc qui brille ici. Donc on utilise creuser. Creuser, j'ai dit. Creuser, bordel. Creuser. Alors attendez. C'est pas ça. C'est elle qui est là. Et là, pong. La poudre magique. Qui est un objet à forger. Et voilà, on peut se barrer d'ici.
Donc vous rappelez qu'il y a un endroit où j'arrivais pas à aller là. Qui se trouvait, attendez. Qui se trouvait justement juste à gauche là. Voilà, en fait il fallait passer par là. Moi je suis d'aller à gauche alors qu'on peut pas passer par là en fait. Et on obtient un cookie, miam. En fait c'est que de la bouffe le truc qui augmente les stats. Le cookie. Le PP, c'est pour qui le PP? Je peux l'utiliser. Bon allez lui il en a pas tellement donc. Donc par contre qu'est-ce que je voulais faire là? Par contre, pour les objets forgeables avec les forgerons, bah, ça va se jouer sur la chance. Parce que bon, tout le monde le sait, que quand on fait une partie normale, hein, qu'on n'enregistre pas, on essaie de forger un objet. Et si c'est pas l'objet qu'on voulait, hop, on démarre le jeu. Sauf que moi, je peux pas le faire en pleine vidéo. Quoi. C'est pour un objet, enfin bon. Que, en fait c'est pas prévu d'avance le truc, donc il suffit que vous sauvegardiez juste avant d'aller chercher l'objet chez le fini chez le forgeron, et si c'est pas le bon bah, vous rechargez votre partie, vous allez le chercher, c'est pas le même, ne vous inquiétez pas. Enfin voilà, c'est une petite astuce si vous voulez voir le bon objet. Mais de toute façon je crois qu'il y a des certains objets, enfin certains objets forgeables qui ne donnent qu'un seul truc. Ils ne peuvent donner qu'un seul truc. Donc, alors le forgeron, je sais plus où il est. Ouais, c'est là. Voilà. Donc, je pense qu'il a fini mon truc. Voilà. Il m'éclate, lui, il dort toute la journée. Bon. Ouais, c'est pas lui, ça pas. En fait, il parle de paiement qui se fait en espèces, mais en fait, que dalle. On paye rien du tout. Enfin bon. En fait c'était de la grosse merde. Bon c'est pas grave. Merde. Et là on va lui donner ben. On va lui donner la poudre magique. Bon, j'espère qu'elle va pas me donner de la merde. Je crois que c'est pas que ça. Peut-être avec ça qu'on forge Excalibur, j'en sais rien. Je vais vendre toutes mes conneries. Et bon, vu que de toute façon j'ai envie de vous montrer les meilleures armes forgeables, alors je crois que c'est l'épée noire, enfin un truc comme ça, ça s'appelle pas épée noire, mais c'est un truc du genre. Je sais plus comment elle s'appelle, épée obscure, je crois. Enfin je sais plus, bon, c'est une des meilleures armes du jeu. Il y en a trois en fait, meilleures armes du jeu. Il y a l'épée obscure, je sais plus si elle s'appelle comme ça en fait. Il y a Excalibur. Et la dernière, c'est un truc de feu en fait. Enfin, ça lance Megiddo, ça je me rappelle. Je me rappelle plus du nom. Épée rouge ou un truc comme ça. Enfin, bon. Là, vous voyez, il y a un petit bug, il y a un point rouge, mais en fait, ça rien. Je sais pas si c'est un bug ou s'il apparaît vraiment dans le jeu, le truc. Enfin, bon. C'est un petit détail, ça, genre, en fait. Et là, ben, on va. On va aller vers. Putain, des mouettes encore qui nous font chier là. Putain, ça rend des sadiques dans le jeu, même les mouettes nous attaquent quoi. On va aller, ouais, je voulais dire ici. C'est assez loin. Mais bon, c'est assez rapide en bateau. Hein. Voilà, donc bah, je vous ai montré le marais de Taupo. J'espère que j'ai pas été trop lent. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait la vidéo. C'est un massacre. J'avais pris le jean. Après je m'étais complètement paumé, j'avais oublié qu'il fallait faire une inondation. Donc je me suis dit rien à foutre, je le fais pas. J'ai fait le tour, je suis arrivé sur de l'autre côté, enfin. Je veux dire j'ai fait ça, je passe par là. Je suis allé là en fait et on pouvait pas y aller pour l'instant. Ensuite je suis allé là, voilà, fin de la vidéo. C'est vraiment de la merde la vidéo. Tout ce que je faisais, je prenais un jean en fait.
Donc je me suis dit, allez, je vais la refaire, faut pas déconner quand même. Donc ce que je vous le dis, à chaque fois il y a des gens qui disent putain, tu fais mal ci, tu fais mal ça. Enfin, moi ça me dérange pas hein, si ça peut paraître de même mieux, mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'a pas fait de vidéo, on peut pas s'imaginer à quel point c'est long. Hein. Là, vous vous dites, ouais, allez, il fait une vidéo, hop, rien à foutre, il en fait 30, machin. Mais bon, il y a des vidéos qu'on recommence des fois 3-4 fois. Bon, Golden Sun, ça m'est jamais arrivé. Mais par exemple, je pense à certains jeux de plateforme où il y a des passages ultra durs. Enfin, moi, j'ai pas fait de jeu de plateforme. Mais ceux qui en font, je sais pas, par exemple Dalnix, je sais que sur Donkey Kong Country 2, il a dû recommencer des vidéos un paquet de fois. Hein. Ou alors, imaginons, on a un problème de sauvegarde, on efface une sauvegarde sans s'en rendre compte. Enfin, sans faire exprès. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On recommence le jeu depuis le début. Hein. Donc voilà, ça se voit pas. Bah justement, ça m'était arrivé pour Golden Sun 1, je vais recommencer le jeu. Parce que je m'étais rendu compte que j'avais fait une grosse connerie. J'avais eu un problème de son. Donc j'ai dû recommencer une dizaine de vidéos. Et en plus j'avais... Comme j'avais fait une dizaine de vidéos sans me rendre compte, j'avais sauvegardé par-dessus mes anciennes sauvegardes. Et du coup bah, j'ai dû recommencer... depuis ma sauvegarde normale. Parce que à chaque fois que je termine une vidéo, je sauvegarde avec l'émulateur en fait. Mais sauvegarde du normal du jeu, j'utilise jamais que de mon... Enfin voilà. Je dis pas ça pour me plaindre ou quoi. Hein. Ce que je veux dire, c'est que. C'est que bah, faire des vidéos, c'est bon quoi. Parce que déjà, le temps de les faire, bon, ça va encore. Les faire, c'est vraiment un plaisir hein, de les faire. Commenter et tout. Mais alors, le. Ce qui est chiant, c'est qu'après, il faut les monter et tout. Une heure et demie par vidéo. Enfin, ça dépend. Golden Sun 2, ça met. Ouais. Une heure et demie maximum. Par contre, les jeux de Super NES, ça met 20 minutes, un truc comme ça. Enfin, ça dépend de la taille de la vidéo de la vidéo source. Quoi. Vous allez vous dire pourquoi tu me parles de ça, on s'en fout. Bah, c'est juste pour vous occuper, parce que là, à part voguer sur l'eau, je fais pas grand chose. Là, je vais vous montrer une synergie, parce que je vous rappelle que j'ai remplacé. Avec Narok par Odyssey. Donc Odyssey au début je trouvais ça moche, enfin niveau couleur et tout, je trouvais pas ça aussi impressionnant que Ragnarok où ça crise de partout. Mais en fait maintenant j'adore. C'est deux petites lames comme ça. Après tac, le troisième. Putain, avec la musique là ça fait Odyssey. En plus c'est sur un bateau donc voilà. Et là il y a un jean ici. De toute façon à chaque fois vous voyez un putain de passage comme ça, où il y a juste un cul-de-sac, c'est qu'un jean. Hein. Sinon ils auraient pas mis ce passage juste pour nous emmerder. Donc, alors est-ce que je capture le jean tout de suite ou est-ce que je le fais à la prochaine vidéo parce que je sais pas si j'aurai le temps. Telle la question. Bon, allez, je vais essayer de le prendre. Bon, maintenant ils auront des escargots qui sont plus puissants que des dragons qu'on a combattu avant. Quoi. Enfin on n'a pas combattu le dragon mais des gros ennemis je dirais. Voilà, je sais pas si j'aurai le temps de récupérer le jean. Alors je sais plus un jean de quoi c'est en plus. Ce qui est assez emmerdant. Parce que je sais pas quelle invocation lui envoyer. D'ailleurs je sais même pas s'il nous rejoint ou s'il essaie de se friter à nous là. C'est un peu con les jeans quand même. Ils croient vraiment, comme des naïfs, qu'on pourra nous battre. Bon alors. Je préfère les jeans bien gentils qui nous accompagnent sans rien faire. Ah les dresseurs. Dresseurs de Pokémon. Donc voilà. Et faut passer par là. Alors voilà, ouais, il est là. Bon le temps que j'arrive. Je crois que ça va être la prochaine vidéo en fait. Hein. Bon tant pis j'aurais quand même récupéré un jean. J'ai encore jamais récupéré plusieurs jeans en une seule vidéo. Enfin sauf quand je récupère Pierre sous. Il y a déjà deux jeans sur lui, mais bon, ça compte pas. Ouais, je crois que c'est foutu là. Bon bah écoutez, on se quitte ici juste après le combat. Vas-y, hop. Voilà, on se quitte ici, on se retrouve à la prochaine. Je récupère le jean et après la suite des aventures de Pavel et compagnie. Allez, salut!